Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans le Nether, dans un des tunnels du Nether. Il y a énormément de choses qui ont changé comme vous venez de voir. Enfin comme vous voyez là à l'instant. Au DC-ton, il y a énormément de choses qui ont changé. Là depuis à peu près 21h je suis en train de travailler dessus. Ici par exemple j'ai fait un chemin Ice Peak Marais. Ici j'ai fait un chemin usine à fer et à poulet du spawn. Ici bon ben un chemin pas encore utilisé, faudrait que je mette une pancarte. Florentino boss Tom. Tom et moi ici. Le chemin est loin encore d'être fini. J'ai toujours pas trouvé encore ce que je voulais mettre ici. Ici j'ai trouvé ça va être de l'acacia, ici aussi de l'acacia, donc ici ça va être les rails. Donc va falloir. Attendez, hop, je vais juste. Voilà. Enlever celle-là. Ouais, c'est bon. Ça devrait aller. Je vais juste donc déjà commencer par dégager tout ça. Pour par la suite avoir toute la place que nous voulons. Pour être tranquille. Enfin pour bien build etc parce que ça va nous prendre quand même pas mal de temps je pense à faire déjà là moi j'ai déjà passé pas loin de bah c'est simple je suis rentré il était 3h depuis 2h je suis à peu près voilà ça m'a déjà pas mal bouffé de temps je vais quand même essayer de le finir cette nuit mais je suis loin d'être sûr quand même. Les travaux sont bel et bien lancés. Moi là mon chemin, j'ai essayé de le finir. Je le finirai sûrement en live, malheureusement. Faut que je le finisse quoi. Et que je fasse ça un peu mieux quand même. Parce que du coup là c'est pas le top, on va dire. Alors, parce que là du coup moi mon chemin, enfin je me suis rendu compte d'une couille dans mon chemin, je vais essayer de la rectifier. Je vais m'occuper de ça tout de suite, pendant que je suis en train de faire le chemin bien sûr. Hein. Voilà, je pense que ça va être un épisode. Vu que là il n'y a pas eu d'épisode pendant un bon bout de temps, ça va pas du tout être l'épisode de mercredi. Impossible parce que là on est mercredi maintenant vu qu'il est 5h. Ça ne sera pas pour maintenant le cet épisode, mais sûrement pour jeudi, sûrement vendredi aussi peut-être. Enfin, je ne sais pas en tout cas quand vous allez le voir, mais vous allez le voir, ça c'est sûr. Moi les amis, je finis tout ça tranquillement et puis, je le finis pas, mais je vous montre un peu l'avancée qu'il y aura pendant tout le truc, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui ont changé dans le serveur Divinity Cube. Et ça c'est cool. Je voulais encore vous montrer un autre truc. Attendez, on va juste finir ça ensemble. Histoire de vraiment être sûr. Voilà. Alors, le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est ça. Un mur à nouvelles. Donc en gros, ici, dès qu'on aura, par exemple, un nouveau truc qu'on aimerait bien que les gens nous donnent notre avis, bah, on peut mettre un petit panneau et dire, ouais, tiens, passez chez moi et donnez votre avis sur la cathédrale. Ou même, ouais, j'ai fait un petit nouveau jeu au spawn, enfin au DC-ton ou au spawn. Au spawn, j'ai fait, par exemple, l'usine à fer. Regardez, Tom, il a fait l'usine à fer. Par exemple, il aurait pu l'écrire là, etc. Moi là, pour l'instant, j'ai mis permettra de mieux communiquer. Je me suis occupé de retoucher la salle des portails et refaire proprement les chemins. Florentino et trois petits cœurs. Ici, on aura un chemin aussi pour la forteresse. Casse-toi. Ça va demander quand même pas mal de temps, donc je vais m'occuper de ça.
Je vais m'occuper de ça tranquillement et puis on verra comment ça va se passer parce que là j'aimerais bien que le DC-Ton bouge un peu. Donc voilà, allez, à tout de suite les amis. Les Big Men attaquent. Ah. Alors, ouais, donc du coup, comme j'étais en train de faire là, donc en fait là, je suis en train de rallonger notre chemin pour éviter en fait qu'on ait trop de tournants. Donc du coup là, je suis en train de le faire un peu plus lisse pour aller chez nous. Donc, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple comme ça. Par contre, ça coûte très, très cher en acacia. J'en ai déjà dépensé des tonnes d'acacia. Et vous imaginez pas encore tout ce que j'ai dépensé. Et va falloir encore que je dépense des rails, des trucs comme ça. Enfin, va falloir encore que je dépense pas mal de trucs, je pense, pour que tout aille bien. Donc là, va falloir que j'aille vers là-bas. Donc du coup, oh putain, toi tu vas dégager, enfoiré. What? Wow. Ouais, ça a du freeze. Oui, il me reste plus que un dirt. Fuck you. Fuck you. Yeah. Bon bah du coup aujourd'hui c'est épisode de fight contre Pigmen. Du coup moi c'est ça que je vais récupérer surtout. C'est vraiment ça le plus intéressant sur eux en fait. Et par contre ils sont en train de me mettre cher. Oh, un peu d'hunger, ça fait du bien. Du coup va falloir encore que je continue ce chemin pendant un bon petit bout de temps, donc je vais bientôt finir et puis je pense qu'on se retrouvera pour l'inauguration avec Tom pour la fin de l'épisode tranquillement. Donc je voudrais juste avoir l'avis à Tom pour finir l'épisode et puis après je pense que l'épisode sera terminé. Donc voilà, donc moi les amis je vais vous dire à tout de suite et allez. Ah si, il est encore mad. Ils sont mad. You mad bro? Alors on se trouve pas mal de temps après, donc là le chemin est totalement fini. Donc j'en suis assez fier, il me reste encore ce chemin-là à faire, donc je vais m'en occuper après. Donc alors, du coup, un chemin de rail, tranquille, ici on peut passer avec les chevaux, tout illuminé, donc tranquille. Ici, la prévention, attention, intersection, ralentissement, hop. Et pour aller, en fait, pour aller chez Tom, on appuie là. Enfin, il faut que le levier soit de ce sens-là. Pour aller chez moi, ça sera de ce sens-là. Donc là, par exemple, on va vouloir aller chez moi au prochain voyage, je pense. Donc, du coup, on va le laisser comme ça. Et là, voilà. Enfin, j'ai mis un peu de bonne mille sur l'herbe pour dire que ça soit plus beau, quoi. Et franchement, j'en suis totalement satisfait, moi, de mon chemin. J'espère qu'il va plaire à Tom, en tout cas. Pas mal de bouffe que j'ai usé aussi. Ici, vous voyez, je me suis fait un petit stand. Ici, des petites écuries pour ranger les chevaux, parce que si on peut venir en chevaux, autant qu'il y a des écuries, etc. Donc voilà. Et donc voilà. Donc du coup, moi, je vais pas tarder à faire le dernier chemin. Et puis, je pense qu'on va se retrouver après avec Tom. Allez.
Donc me revoilà. Donc du coup j'avais prévu ici de faire une future montée au hub du Nether. Donc voilà, j'ai fait ça aussi, chemin à prendre, en travaux. Donc j'ai essayé de faire un minimum RP, j'ai récupéré 18 cobwebs au passage et 15 vines. Avec quoi je les ai récupérés? Avec 7 siltage and breaking 3, donc bah elle a pas pris de dégâts, donc avec ce que j'ai ramassé, donc tant mieux, bon bah voilà. Alors, donc du coup, là on va pouvoir aller jusque chez moi et après s'occuper de la suite de l'épisode parce que du coup on a fini notre chemin tranquillement. Je vais peut-être parce que du coup je vais peut-être pas capter Tom pour la fin de l'épisode. Je vais peut-être le finir tout seul pour vous le sortir quand même mercredi, donc normalement vous aurez quand même cet épisode mercredi. Ici vous voyez il y a tout qui a cramé. Sniff. Mais c'est pas grave. Du coup je referai des bons, etc. Ah. Cassez-vous. Yeah. Et donc voilà, donc du coup un épisode qui m'aura pris toute une nuit. Donc là je viens de finir l'épisode, il est 7 h. Donc voilà. Donc il n'est pas encore fini parce que je suis encore en train de vous parler. Donc il nous reste encore ça à faire en longs travaux. Ça. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, si j'ai encore la foi de jouer à Divinity Cube, après cette nuit sur Divinity Cube, peut-être 2 ans, enfin peut-être percer le hub avec des Dark Oak, peut-être des trucs comme ça, enfin je sais pas encore. Tiens, ça j'aime bien. Oh. J'ai perdu de... Alors, attendez, il va me falloir quoi? Des sticks. Ça, je vais pouvoir le mettre dans décoration, du coup. Ça dans végétation. Et ça dans netherrack. Voilà. Donc, du coup, il va me falloir... Tac, tac, des diamants. Les diamants, c'est ici. On va s'enchanter, quoi. Je sais pas, moi. On va s'enchanter. Tiens. On va s'enchanter un casque. Des bottes. Et on va réparer notre... Ouais non, il nous en reste encore pas mal. Et on a une pioche sur touch. Bon, bah on va se refaire une... Tac, voilà. Du coup, là, on est opérationnel. Est-ce qu'on a pas mal de lapis-souris? Et on va pouvoir aller s'enchanter tout ça pour finir tranquillement l'épisode. Du coup, très très long épisode pour moi aujourd'hui. Un épisode pas loin de 5 heures de travail. Donc, j'espère qu'en tout cas il va vous plaire pour un épisode de retour. Pas de live par contre ce soir sur Divinity Cube du coup. Hein. Vous comprendrez. Vous comprendrez que... C'est bon, j'ai... Ok. Oh. Perfect. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Vite fait le dernier enchantement. Ouais. Vite fait, vite fait. Moi, du coup, ça nous fait du stuff en plus. C'est cool parce que, enfin, j'aime bien avoir du stuff de rap comme ça, si je meurs ou si j'ai un truc qui casse ou qui est plus réparable, ben, du coup, j'en ai toujours. Donc du coup, bah, moi les amis, je vais vous laisser là-dessus. Donc j'espère que cet épisode vous aura fait plaisir, parce que moi
m'a fait plaisir à tourner. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un gros épisode comme ça à tourner. Du coup, bah maintenant c'est fait. Hein. Et donc, du coup, moi là, les amis, je vais vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous et allez, ciao, bye bye.